c'est reparti pour une balade en forêt, à ceci près qu'elle se situe à la sortie de Fort-de-France, sous les pitons du Carbet. Et nous allons encore être face à une luxuriance et une diversité qui nous amène à réfléchir. Et finit par arriver ce qui devait arriver. Pourquoi le hasard offre autant d'aspects? Mais c'est comme ça, tu peux pas comprendre. Fais un effort. Le hasard autant réfléchi. Roland, fais un effort s'il te plaît, reprends-toi. C'est scientifique. Et oui, difficile dans un tel décor de ne pas utiliser ce qui est au-dessus de nos deux yeux. À moins de n'avoir aucune reconnaissance. Alors, ouvrons l'œil, même les deux, et ce qui est au-dessus. Ici, c'est le squelette d'une feuille qui nous interpelle. C'est comme si elle avait un habit. Voilà. Comme la mue d'un serpent. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a les mêmes morceaux ou non? Non. On dirait que c'est que d'un côté? Ouais, c'est sur le dessus de la feuille. Donc la feuille en dessous et en dessous. Là où il y a la photosynthèse. C'est-à-dire que le dessous est différent. Ça fait pas une pellicule. Tu vois, c'est encore différent. Elle a la lèpre. Tu vas pas reprendre celle-là, elle entend comment ça se désagrège. Ici, on est face aux liens qui unissent tous ces arbres. Oui, la diversité est vraiment présente partout.
Et qui parle de frontières dans la nature ? Sur un bord de crête, la végétation peu clairsemée nous offre un beau point de vue sur le golfe de Fort-de-France. Mais à partir d'ici, fini de se laisser distraire par les papillons. Les fougères arborescentes, dont certaines ont des troncs qu'il ne vaut mieux pas saisir pour se tenir. Ni le vent, même si sous les arbres il se fait plus calme. Donc, c'est parti pour la descente. Quelle descente! Mais un son bien connu nous promet un bon rafraîchissement. Aussi,